J'ai toujours eu une timidité dans tous mes gestes là-bas, dans le fait de pas faire de bruit, de me poser par terre, jamais m'asseoir sur son fauteuil, enfin sur son canapé. Charlotte Gainsbourg ouvre les portes de la maison de son père au 5 bis rue de Verneuil. Elle a photographié ce lieu sans jamais rien y toucher, comme si le temps s'était arrêté en 91. Pour Libération, elle pose sa voix sur cette série de clichés inédits qu'elle a pris ces 4 dernières années. Une invitation à entrer dans l'intimité de la maison de son enfance avant qu'elle ne devienne publique. Il y a peut-être 4 ans, 3-4 ans, quand j'ai démarré ce dernier projet, qui va finalement voir le jour, normalement, là, je me suis dit que je voulais placer mon regard sur tous les objets que j'aime, toute la disposition. Et ça me permettait de passer beaucoup de temps, en fait, rue de Verneuil. Comme j'avais peur qu'elle m'échappe, et évidemment, j'ai envie de ce musée, mais c'est un déchirement aussi. Je m'y suis enfermée beaucoup, 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 avec cette excuse d'avoir à prendre des photos. Parce que sinon, j'ai toujours eu le sentiment d'être quand même un intrus. Ben, le Rhodes, j'ai jamais vu mon père y jouer. Donc, en jouer. Par contre, dessus, il posait pas mal de petits magnétos, un micro. Donc, il y avait quand même son côté professionnel. Je sais que c'est un instrument qui a compté pour lui, mais je pourrais pas. Je mentirais si je disais que j'en étais témoin. Après de les avoir, cette photo-là des deux, elle me touche vachement. D'abord parce qu'elle a un regard très très franc sur lui. Lui, il détourne les yeux. Enfin, il est. Et j'aime bien ce regard. Il est à la fois un peu méfiant, très cash. Et bon, et avec la beauté évidemment qu'elle a. Voilà, il y en a tellement des photos de mes parents. Mais celle-là, en plus, si c'est lui qui l'a choisie, ça veut dire quelque chose. Moi, je ne sais pas, par contre, comme j'avais que 19 ans quand il est mort, je ne peux pas dire pourquoi il a choisi telle ou telle photo, pourquoi il l'a mise là, est-ce qu'elle était là dès le départ, enfin, tout ça, je ne sais pas quand il a acheté ce Rhodes. Tout ça, c'est très, très frustrant. Et en même temps, aujourd'hui, je l'accepte vraiment d'avoir que ma mémoire à moi. Les gitanes et son zippo, je pense qu'on va les placer sur sa table basse parce que elles n'étaient pas vraiment là. Elles sont sur un bar. Alors c'est un bar qu'il a acheté très tard. Plus ça fait plus partie du décor de sa deuxième vie. Enfin, une fois que ma mère l'a quitté, sa vie avec Bambou, il s'est acheté pas mal de meubles assez imposants rue de Verneuil. Petit lapsus. Et donc, c'était des objets et des meubles plus d'un collectionneur avec cette idée que on n'allait pas toucher. C'était un décor. Et ce bar, il a jamais fait des cocktails au bar. Donc, non, il sait ses cocktails. Enfin, je crois. Moi, je l'ai vu faire des pastis, mais je le vois pas faire. Enfin, si, je me souviens du son du shaker. Donc, si, il en faisait quand même. Bambou, je crois, connaît toutes ses recettes. Le dosage est hyper précise. Moi, évidemment, à l'âge que j'avais, je m'en foutais un peu. Et j'étais plus flic que ça, en fait. Moi, j'étais toujours à enlever les bouteilles d'alcool dans les mini-bars quand on allait à l'hôtel, l'empêcher de boire dans les avions. Voilà, moi, j'étais plus flic. J'étais un très bon flic et les cigarettes, il essayait aussi. C'était très difficile, mais vers la fin, il avait son étui à cigarettes où il pouvait mettre que 10 cigarettes. Il essayait de se limiter.
J'ai toujours eu une timidité dans tous mes gestes là-bas, dans le fait de ne pas faire de bruit, de me poser par terre, jamais m'asseoir sur son fauteuil, enfin sur son canapé. Même les fauteuils, j'y mets le bout de mes fesses, c'est pas du tout... Parce que quand il était vivant, je m'asseyais par terre. Je crois que ma mère aussi s'asseyait par terre. On n'était pas... C'était jamais un lieu où on était très à l'aise. Enfin, il n'y avait pas de malaise non plus. Mais, bon, mais moi, comme enfant, j'étais toujours par terre de toute façon. Et vers la fin de m'autoriser, mais très, très respectueusement, vraiment. Donc l'araignée, c'est pas la belle araignée qui va retrouver sa place sur le piano, en fait. Mais c'est quand même une araignée... Alors, je sais pas d'où elle vient, mais les animaux empaillés, comme ça, ça m'évoque ma mère. Parce qu'elle avait un vrai goût à ça. Je sais pas si c'est un côté anglais, pas... j'imagine pas vraiment. Mais bon, celle-là, non, je sais pas d'où elle vient. On voit aussi l'encyclopédie médicale en dessous l'araignée. Et on voit une photo, je pense, de « Je t'aime moi non plus », de ma mère et de Joe D'Alessandro. On voit sa machine à écrire électrique qui me paraissait ultra moderne. Et ça, je m'autorisais à pianoter dessus le matin. En fait, son bureau, je l'ai pas mal... J'y ai passé pas mal de temps les matins, quand il n'était pas encore réveillé. Parce que c'est là qu'il y avait les... Il n'y avait pas beaucoup de BD, mais il y avait des albums de Walt Disney, il y avait des albums de Pim Pam Poum, de ce qui, lui, l'avait marqué petit. Et donc, je regardais ça le matin. Il y avait aussi... on l'a jeté, en fait, lui l'a jeté, mais à l'époque de ma mère plus, peut-être au début des années avec Bambou, mais il y avait un tigre empaillé, une peau de tigre, avec les dents, je me souviens de la sensation d'être, d'être allongée dessus un peu, les poils, et en fait elle a pourri, la tête a pourri. Donc, il a fini par l'acheter. La sirène, elle est dans sa chambre. Et ça, c'est un des... Je ne sais pas si on dirait un objet ou un meuble. C'est un coffre, en fait. C'est un coffre. Son corps s'ouvre. C'est un banc aussi. Donc, sous le banc, il y a ce coffre. Le fait qu'il ait mis... Ce collier de perles, ça, je me souviens plus si le collier, il date... En fait, la sirène, elle est là depuis, moi, je dirais, les années 70, parce qu'il y a des photos, en fait, de Kate, ma mère, mon père et moi, dans sa chambre, avec la sirène. Je dirais qu'elle est en... Quoi ? Moi, je dirais en plâtre ciré, mais je sais même pas si ça existe, le plâtre ciré. En tout cas, elle est très, très douce. Y a une grâce dans la manière qu'elle a de tenir ses mains. Et mon père me faisait remarquer que dans certains tableaux, il fallait remarquer la position des mains, la grâce. Il avait tout un mode d'emploi sur comment se tenir en photo. Quand on était pris en photo, il fallait mettre ses mains d'une certaine manière pour faire que ce soit plus gracieux et qu'on ait les mains plus longues. Donc il fallait tenir le majeur et l'annulaire ensemble. Ça faisait des mains plus longues. Voilà, donc ça m'évoque aussi ça, le fait d'avoir eu un guide de l'esthétique grâce à lui. Après, dont on a beaucoup de mal à se démarquer, hein. Il avait peu de paires de répéto noirs parce qu'il les mettait qu'avec un costume. Et comme il mettait rarement un costume,
voilà, elles se sont pas usées tant que ça. Les blanches, par contre, elles se sont usées. J'aime bien, évidemment, l'usure, en fait. Ce que je trouve très, très charmant et étonnant, c'est la taille de sa garde-robe, la taille de son placard. Il y a la place pour tellement peu de choses. Et en même temps, c'est comme ça qu'il s'est donné cet uniforme. Alors, quand on voit ma mère et tellement de photos, de mode et de plein de tenues, on se dit que ça tient pas parce qu'elle avait la même taille pour elle, juste à côté. Ça tenait pas vraiment là-dedans, mais il faut croire que si. En tout cas, lui, il devait avoir deux jeans et enfin très, très, très peu de vêtements. Donc, il m'a vraiment fait comprendre le goût du vintage aussi, de comment personnaliser ses vêtements. Alors, pas comment faire, mais que c'était, ça allait de soi. On avait un vêtement neuf, c'était pas franchement intéressant. C'était quand même plus intéressant d'y voir de la vie, de voir de l'usure. Donc, quand je vois ces répétos avec les marques du temps, un peu de crasse, ça a infiniment, ça en dit tellement plus que des vêtements neufs. Moi, c'est vrai que jusque peut-être mes 30 ans, je mettais que des vieux vêtements. J'aimais tout ce qui était, je détestais ce qui était neuf. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je me suis engouffrée dans une génération où on met du neuf, on fait vieillir les choses artificiellement, mais il n'y a pas ce vrai. C'est pas très authentique. Ces flacons-là sont vraiment exposés et placés dans sa chambre. Il me semble que c'est que ce jeu. Alors, c'est un jeu de dame. Il me semble qu'il l'achète. Enfin, je sais pas. Donc, en tout cas, c'est un jeu de dames assez grand. Il y place ses flacons. Alors évidemment, Guerlain, pour moi, ça me parle au travers de ses chansons. Mais c'était aussi, je pense, Jiki, ça évoque Bardot. J'ai essayé de me le mettre. Moi, j'ai pas de parfum. Donc j'ai essayé tous les parfums des autres, mais ça colle pas. Mais j'ai essayé pendant un moment Jiki. Shalimar, c'était vraiment lié à ma mère. Mais à une époque de ma mère. Ça aussi, j'ai essayé, mais c'est trop elle, je peux pas. Alors, il y a eu Liu. Mais ça, je me souvenais pas si c'était bambou. Parce que pour moi, bambou, c'était opium. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu ces femmes. Sur ce jeu de dames, je viens de me rendre compte du sens. Alors, ces marionnettes, il y en a eu plusieurs. Il y en a une que j'ai gardée, il me semble, parce que c'est moi qui lui avais faite. Mais elle n'est pas là. Mais il y a eu cette marionnette faite par un marionnettiste qui est mort aujourd'hui. Pas si longtemps, je crois. Mon père devait en être très fier parce qu'il avait donné ses cheveux, il avait donné des petits bouts de sa veste, je crois, de son jean. Enfin, c'était quand même très personnel. Et c'est drôle d'assumer complètement son image comme ça parce que ça ne me viendrait pas à l'idée d'avoir une marionnette de moi chez moi. Mais c'est aussi, ça va avec le personnage qui se donne, et moi aussi je le dessinais avec tous les critères qui sont faciles à dessiner, un grand nez, une barbe avec c'était facile à faire, des petits points, ses cheveux, ses grandes oreilles, mais il était très très fier de son image après s'être trouvé tellement laid. C'était pas une vengeance, hein, mais c'était une manière d'assumer complètement.
Mais j'adore ce côté qui me surprend encore de lui. Un peu dans la provocation, que j'adore, quoi. Un côté très esthète avec... je suis sûre qu'il avait... Mais je pense qu'il le dit peut-être dans le commentaire que... Il avait prévu son coup. C'était pas une improvisation de dernière minute, à mon avis. Voilà, il avait bien prévu son coup. Et ça m'évoque aussi, évidemment, la pochette de disque où il est en femme. Et puis cette chambre... qui dévoile aux gens assez souvent, en fait. Parce que voilà, nous, on a des photos de nous. Ça fait partie des photos posées en famille. Je ne sais pas si c'est des photos d'un dimanche. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait une certaine mise en scène avec sa chambre à coucher qui dévoilait pas une intimité. Alors là, si, c'est, pour le coup, c'est une grande intimité, mais... C'était pas, il y a rien que j'ai trouvé choquant, justement dans sa vie de mélanger l'intime, le public. En fait, il avait énormément de pudeur. Sinon, il aurait été carrément à poil. Mais et beaucoup d'impudeur, comme beaucoup d'artistes. Enfin, mais où tout a toujours été mélangé. Ces déchirements de cœur, il en a fait des chansons et sans se cacher, quoi. Donc voilà, c'est encore une idée de pas se cacher, de jouer avec un physique qui l'a complexé. Enfin, moi, il m'en a toujours parlé. Voilà, mais je le trouve hyper beau en plus sur cette photo.